Yo les potes, on se retrouve aujourd'hui sur un petit jeu qui s'appelle The Escapiste 2. Un petit jeu où il va falloir qu'on s'évade de prison. Et vous allez voir les potes, on attaque tout de suite. Donc aujourd'hui on attaque par le commissariat. Une petite mission solo. Histoire de, voilà, d'apprendre les bases du jeu et tout. Ça nous apprend toutes les commandes, tout ça, tout ce qu'on peut faire. Voilà, histoire de voir quoi les potes. Ouais, on commence par ça, et après, on vous demandera, on vous dira, est-ce que les potes, vous voulez continuer dans ce jeu-là? Que vous voulez qu'on cherche à faire d'autres missions? Des petits trucs en plus? Donc, pour commencer, les potes, ils nous demandent de choisir nos commandes, celles qu'on veut, quoi. Donc, nous, on a choisi le joystick. Voilà. Ça commence comme ça, c'est parti. Voilà, donc en fait, il nous explique un petit peu toutes les commandes. On se retrouve dans une cellule, en fait, parce qu'à la base, on est sur une plage, en train de raconter à un collègue comment on a fait pour s'évader de prison. Ça commence comme ça, on doit se fabriquer une petite arme. Avec une chaussette, un savon, chaussettage, les potes. Ouais, chaussettage, ça c'est un truc, c'est... Franchement, j'aimerais pas que ça m'arrive, hein, parce que faire taper par une chaussette avec un savon de main, c'est marrant. Donc là, il y a les gardiens, les potes, qui nous appellent tous. Il y a un gars qui s'appelle Pi, comme Pipi, quoi. Mais là, c'est pas... Franchement, il a pas de bol, hein. Ouais, bon, c'est son problème, hein. C'est son problème. Si on frappe, dites merci. Non, mais ça, c'est vraiment pas cool, hein. Pipi Chuck. On lui pique la clé. On me demande bien la clé. Quoi, c'est... Il y a une infirmière qui vient de chercher, des tentes. Il s'en sort bien, le petit Chuck. Et là, on a trouvé une pioche. Petite pioche qui va bien, quoi. Ouais, pour s'évaser de prison, franchement, une petite pioche, ça peut être pas mal. Parce qu'on peut creuser des trous et tout avec les potes. Comprenez qu'on est liés. Bon, c'est la deuxième version du jeu, hein, les potes. Ce Escapiste 2, il y avait le premier, The Escapiste, tout simplement, voilà, qui était déjà sorti. Alors, on a décidé d'essayer le deuxième. Donc là, attends, parce qu'ils essayent de me demander de faire quelque chose, de mettre une serviette sur la fenêtre, sur les barreaux, quoi. Le seul truc, c'est que... Je sais pas trop comment on va faire. On voit ça, hein, tu sais pas trop quoi faire. Ah non, faut pas tout casser. Donc là, j'essaye d'aller chercher la deuxième couverture. Ça marche pas. Pas trop moyen, je comprends pas. Essaye de lire ce qu'il y a dessus. Pour dissimuler mes actions, j'ai ramassé le drap en appuyant sur ramasser. Ouais, mais bon, tu vois où écrire ramasser, toi. Tu me fais bien rire avec tes trucs, l'ami. Bon, je comprends pas tout, là. Attends, c'est pas fini. En me tenant à côté, je l'ai équipé en appuyant dessus, puis je l'ai accroché au barreau de la cellule à côté de la porte en appuyant sur utiliser. Oh, mais tu fais comment pour l'équiper si tu l'as pas et si t'arrives pas à l'attraper et tout? Bah, je sais pas non plus.
Ah, il doit y avoir un truc, faut aller chercher quelque part, peut-être. Là, il y a un gardien, faut faire gaffe. Excusez-moi, infirmière, il me faudrait une petite couverture détente. Je reviens à tabasser Chuck. Mais bon, il a plus rien sur lui. Sacrément mouché, ouais, c'est sûr, hein. Je l'ai tapé. Hein. Il n'y a plus rien à ramasser en bas. Hein. Là, je dois vous dire, je suis un peu coincé. Là. Je me demande ce qu'il faut que je fasse. Si t'appuyais sur la petite clé en haut, là. Peut-être qu'il y a peut-être un truc à faire, là. Là, regarde, il y a une serviette en haut à gauche. Voilà. Et voilà. Donc si tu sais pas, tu me demandes, voilà, détente. Moi je sais toujours tout de toute façon. Bon, c'est bon, c'était un hasard. Franchement, tu m'as demandé de cliquer sur le truc, tu savais franchement pas si ça allait avec ça. Hein. Mais bon, au moins on a appris les commandes. C'est bien, Georges. T'es un bon petit gars. Bon, c'est bon. Alors, mon niveau d'énergie était au plus bas, mais heureusement, c'était l'heure du repas. Bon, on va aller se taper un petit gazdal, détente. Voilà, avec notre petite pioche. On va peut-être la ranger quand même, ce serait peut-être une meilleure idée, histoire que les gardiens ils ne le voient pas, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais c'est bon, je l'ai fait. Hein. Donc, on prend notre petit plateau. On va s'asseoir. Pas sur la bonne chaise plutôt, hein. Je fais ce que je peux. Alors là, il nous dit que la bouffe est dégueulasse, les potes. Bon, bah, c'est normal, hein. T'es pas que le mène, hein, mon pote. Hein. Attends. C'est normal, hein. Voilà, on n'est pas encore sur la plage, là. Bref. On retourne dans notre cellule. On reprend notre petite pioche. Et c'est reparti pour un tour. Utiliser. Et voilà. Donc là, on doit attraper ce qu'il y a dans le bureau d'entretien. Une petite tenaille. Donc là, il faut qu'on attrape la table et qu'on la mette au-dessus, en dessous de la bouche d'aération. Pour pouvoir rentrer dans la bouche d'aération, passer dans l'espèce de petit tunnel. Donc avec la tenaille, on va pouvoir couper les barreaux de la grille d'aération, quoi, en gros. Une fois qu'on les aura coupés, on rentre dedans. Là, il y a un gars qui est en train de rentrer dans notre cellule, ça c'est pas cool. Donc il faut qu'on se dépêche un peu, parce que je sens que, voilà, on va se faire avoir sinon. On peut voir en haut à gauche que... Bah d'ailleurs, voilà, on peut plus le voir maintenant. Bon, c'est pas grave. On pouvait voir les potes que, en fait, nos objets, ils ont une durée de vie. Donc, c'est pas de faire n'importe quoi, là, non plus. Hein. Ouais, et puis il faut bien se placer, parce que, franchement, c'est pas si facile que ça, hein. Donc là, je creuse un trou, je me retrouve dedans. Voilà, on a creusé, détente. Et là, on est coincé. Là, je sais pas comment on fait pour remonter, hein, du coup. Hein. Ah! Là, il y avait un truc grimpé, là. Il y avait un truc grimpé. Non, c'est pas ça. Voilà.
Donc voilà, on se retrouve en dehors de la prison, les potes. On y est presque. Enfin, on est sur le parking, hein, mais bon, on y est presque, quoi. Donc là, c'est pareil, il y a une pince, mais... pas facile pour la ramasser, hein. C'est pareil, les gardiens, là, ils ne nous voient pas. Non, mais en même temps, c'est un petit peu didacticiel, donc forcément, c'est plus facile que le jeu en lui-même. Bon, bon j'espère que, bon, ce sera un peu plus dur, hein, après, parce que, bon... Là, les potes, j'essaye de me débarrasser de la terre, mais bon, il n'y a pas vraiment de... pas vraiment moyen, hein. Voilà, on va pas se mentir. Ce que tu peux faire à la rigueur, c'est boire l'espèce de petit soda que t'as sur toi, ça libérera une place. Voilà. Détente. T'avais raison, Georges. Allez, c'est reparti, on coupe le grillage. Et on est enfin libre. On a un espèce de collègue qui nous attend en dehors de la prison. Détente. Et voilà, voilà. Voilà, on se retrouve sur la plage, détente, ça se passe plutôt pas mal. Et là, ça se passe pas si bien d'un coup, on a rien. C'est un demi de bateau, des flics de partout. Là, bah, je pense que tu peux retourner en prison, là, hein, petit cochon. Oui, bah, en même temps, si c'était pas le cas, le jeu, il serait fini, donc bon. Dans un sens, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, la fin de la mission. Ça nous donne nos petites performances et tout. C'est plutôt cool. Voilà, ce qui est Escapiste 2, Pocket Records. Voilà, détente, hein. On vous montre vite fait les autres missions. Et puis on vous dit à une prochaine fois, les potes. Dites-nous si ça vous intéresse qu'on continue. Et puis voilà, les potes. Allez, bisous, les potes!